Bonjour tout le monde. Merci pour votre solidarité. Moi, je m'appelle Faisal Al-Azam. Je fais partie de la communauté syrienne. Ils sont entre vous aujourd'hui. Vous avez été touchés par les photos de ce petit bébé qui s'appelle Aylan, qui avait une connexion ici au Canada et qui s'était refusé par notre gouvernement. Et vous connaissez l'histoire. Malheureusement, je dois vous dire que nous, en tant que Syriens, on suit ce dossier depuis 4-5 ans. Et c'est pas la seule photo qu'on a vue. Il y a des milliers et des milliers de photos d'enfants, de civils qui sont morts sous la famine, qui sont morts parce qu'ils ont aspiré du gaz, qui sont sous siège, etc. Ça fait 4 ans qu'on essaie de se mobiliser. Malheureusement, on n'a pas été nombreux. On a essayé de toquer la porte du gouvernement pour leur dire « Nous avons des familles qui sont en Syrie sous bombardement, nous avons des familles qui sont déplacées à l'extérieur de la Syrie, qui sont très vulnérables. » Mais ça a pris cette photo pour bouger l'opinion publique, et c'est grâce à vous, chacun de vous aujourd'hui, que nous avons au moins une porte qui s'ouvre du gouvernement et nous avons une opportunité. Très clairement, vous savez qu'il y a une corrélation entre votre mobilisation, votre solidarité et les décisions qui sont prises aux politiques. Aujourd'hui, nous avons un rassemblement. J'espère qu'on va continuer à se mobiliser, on va continuer notre solidarité. On a besoin de vous. Ça fait 4 ans, vous pouvez parler aux Syriens qui sont à côté de vous, qui se sentent comme des orphelins. Aujourd'hui, on se sent fort parce que vous êtes ici, vous êtes avec nous. On a besoin de votre solidarité. Donc je vais dire, réfugiés syriens, j'aimerais que vous dites bienvenue. Réfugiés syriens, bienvenue. Réfugiés syriens, bienvenue. Réfugiés syriens, bienvenue. Vous êtes formidables, merci. Merci beaucoup.